Aujourd'hui, nous sommes à la Plaine-sur-Mer et nous venons voir Yvette, qui ne veut pas dire son âge, mais qui est très âgée. Sans doute l'épicière la plus âgée de France et de Navarre. Bonjour Yvette! On est prêt à se mettre tranquillement en place. D'accord. Donc nous, on va tout là-bas au fond. Vous êtes là tranquillement dans votre cuisine, éclairé. Et quand vous entendez la porte, comme si c'était un client, vous vous levez, vous venez vers le magasin. François va faire le clap. Qu'est-ce que j'ai mis? 6 premières. Mais dès que je vous le dis, allez-y, mais vous ne parlez pas. Vous y allez. L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue quand elle volait. Notre épicière, Yvette l'épicière, fait mentir Charles Trenet parce que cette épicière n'est pas une sorcière. C'est sans doute la personne, c'est sans doute l'épicière la plus charmante, la plus attachante que j'ai rencontrée. Elle n'a pas des tonnes de produits à vendre, mais elle tient la boutique. Je t'ai acheté ça. Oh, mignon. Merci. La star du jour, c'est vous. Je voudrais qu'elle me parle de son moulin de mes rêves, de ses poèmes, qu'elle en récite un peu. Et ici, ce sera bucolique. Je parlerai fort parce que j'ai 3-4 questions à vous poser. Mais je parlerai fort pour... Vous vous entendez bien, vous, en plus? Oui. Et vous voyez bien, en plus? Mmh. Ben, vous avez du bol. Ben oui. Moi, je vois pas bien, j'entends pas bien. Merci. Moteur. Quoi? Oh, attends. Il y a des cailloux. Ça, c'est la dernière fois que je travaille avec un vieux. Hein? Non, rien. Non, mais parce que je peux... Mais attends. La visée... Yvette, on est dans votre jardin et puis là, il y a un moulin, j'ai regardé, c'est marqué le moulin de mes rêves. Exactement. Et c'est quoi vos rêves? Les moulins. Expliquez-moi un peu quand même, au lieu de répondre simplement par oui et par non, parce que c'est pas suffisant pour moi. Ah. Allez-y, dites-moi 2-3 trucs. Parce que quand je vois la campagne, que je vois des moulins, je suis toute joyeuse. Chaque heure qui passe, je vous aime de plus en plus. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je vais peut-être finir par vous adopter. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a un poème que vous ne savez pas par cœur, donc, mais ce n'est pas grave, parce que celui-là, tout à l'heure, était magnifique. Est-ce qu'il y en a un que vous aimez beaucoup et que vous pourriez nous lire? Non. Et si j'en trouve un dans la boutique et je vous le fais lire? Oui. Ben, c'est moi qui choisis, alors. Oui. D'accord. Merci les clients qui me sont restés fidèles. Pour que cette boutique ne ferme pas et qu'elle reste gravée dans leur mémoire, je quitterai ce que j'aime pour rejoindre ceux que j'aimais dans la paix du Seigneur. Yves. Allez, hop. Donc là, je n'ai qu'un bal, simple et banal, un tout petit bal champêtre. Il y a 2-3 clients par jour, mais elle ne veut pas lâcher. Et elle me dit dans le sujet qu'elle veut affronter les tempêtes. Et les tempêtes, c'est les grandes surfaces. En fait, c'est elle, comme d'autres commerçants qu'on a rencontrés, c'est des héros de la résistance. Entends-tu cette chanson tremblante? C'est notre amour qui chante. Écoutons-le toujours lorsqu'il nous dit bonjour. Viens au bal de l'amour.